Ok, c'est parti. La grande vague! Vous m'entendez bien? C'est parti. C'est bientôt la fin d'une ère. Quand la menace gronde, le monde des douze se déchire. Les nations s'effacent et leurs rois se cachent. Et un autre naît, dans un cycle éternel. Le poids du monde sur ses épaules. Aïe, aïe, aïe. Du bien germe la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Eh, les dessins sont incres en vrai, hein. Oh, c'est en couleur! Mais c'est incroyable! Le royaume Sadida, protecteur de l'arbre de vie, poumon du monde des douze. Comptant parmi les plus braves d'entre eux, le roi Armand Sheran Charm a donné sa vie pour protéger ses sujets de l'invasion des nécromes. Aïe, 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 aïe. Armand, les gars! Armand, putain! On a craché dessus. On a craché dessus pendant des années. Vous avez craché dessus pendant des années. Ouais, vraiment, pardonnez, vraiment. Pardon! Des créatures ni mortes ni vivantes venues d'un autre monde. C'est sa sœur Amalia qui lui succède à présent. Normalement, c'est bon là. Là, j'ai bien diminué. Dirigeant le royaume d'une main ferme mais juste. Soutenu dans ses missions par Hugo, ses époux et amour de toujours. Aïe, 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 aïe. Quelle goutte! Mais quelle goutte! Pourquoi c'est en noir et blanc maintenant, frère? Roi des héliatropes, demi-dieu et sauveur du monde des douze. Yougoat, hein. Ça c'est mon Yougoat. Ça c'est mon Yougoat. Aïe, 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 aïe. Non, elle a mis sa main dans le froc là. Non. Vous mentez. Oui! Yougoat! Tu es infatigable en plus! Yougo, je te hais! Je te hais, Yougo! Tu aurais dû rester enfermé! Monsieur Ndagui! Attends, les gars, vous m'avez envoyé le bon lien là! Non les gars, vous me trollez! J'ai la main dans le froc. Et toi, tu aimes te faire désirer? Putain, mais c'est vraiment une coquine, hein, Yougoat! Ah, Maya, elle craint, frère! Mais ah, ah. Mais enchaîne-moi avec tes lianes. Fais ce que tu veux de moi, Amalia. Non, je me lèverai pas. Et tu t'y connais dans ce domaine? Mais d'où il s'y connaît? Qui? Quand? Comment? Wesh! Mais ça... Wesh! C'est Wakfu! Ressaisis-toi, Niki. Non! Mais vrai, montrez tout. On s'en bat les couilles. On y est, on y est. J'ai déjà plus de voix, wesh. Mais ça doit être incroyable. Ça baisse dans les airs, frère.
Mais l'enfant va être effrayant. Je t'aime, Hugo. Putain, Hugo. C'est enculé, Hugo. Oh, l'enfoiré. On a tellement craché sur Amalia, mais qu'est-ce qu'on est jaloux maintenant? Wesh. Wesh. Il se passe quoi, là? Wesh! Non, les gars, c'est effrayant, par contre, là. Putain de merde! Non! Non, les gars, ça me fait peur, là, par contre. Amalia! Mais les gars, c'est quoi ces transitions? Mais c'est quoi ces transitions? Amalia! Tu sembles avoir une vie parfaite, Hugo! À la tête d'un homme qui ne t'appartient pas! Détenteur des sidophus héliatropes et d'un cœur d'un mécasme. Des artefacts que personne ne devrait posséder. Certes, tu as du sang de dragon qui coule dans tes veines. Je devrais avoir de la compassion pour toi, de l'amour même. Mais il se passe quoi? C'est qui? Mais il n'en est rien. Au contraire, je te déteste. Mais c'est quoi ce truc? Je te hais pour tout ce que tu as fait dans ce monde. Et parce que tu penses mériter le bonheur dont tu... Mais comment ça, il mérite pas? Je te méprise car je sais que tu as vu où te conduiront tes choix et pourtant, tu choisis de fermer les yeux. Oh mon Dieu. Oh l'apocalypse. C'est quoi ce bordel? Crois-moi, petit héliatrope, je serai celui qui t'arrêtera. Toi et tous ceux qui pensent être au-dessus des lois de ce monde, j'arrive du coup... Mais c'est qui, lui? Zarma? Quoi, il... Zarma, c'est... Il préserve l'équilibre dans l'univers? Toi et tous ceux qui pensent être au-dessus des lois de ce monde. Le grand dragon, ouais, j'ai vu que c'était un grand dragon. Mais c'est qui? Oh non, il est en PLS, frère. Mais c'est horrible. J'ai cru te perdre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je ressens la panique, là. Oh non. Calme-toi, ce n'est qu'un rêve. Ça avait l'air d'être plus qu'un rêve, hein, les gars. Non, c'était un peu plus réel. Moi, les gars, il est choc-barre. Par contre, ça me fait peur. Pour le coup... Est-ce que c'était un rêve aussi, ce qu'on a vu avant? J'ai besoin d'un peu d'air. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Le charisme. Je te rejoins plus vite. Non, attends. Nom d'une ronce, c'est qu'il m'énerve quand il fait ça. Wesh, il a pas fini le boulot. Elle est normale, frère, il a pas fini le boulot. Putain. Elle voulait finir, frère. Bah, nous aussi, on voulait qu'elle finisse, frère. Aïe, 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 aïe. Mais c'est incroyable, ça, par contre. Vrai homme finit toujours le boulot. Allez, voilà la reine. Allez. Ouais, après, ils l'ont respecté, Armand. Il est dans l'histoire. Hein. Bonjour, Maître Bao. Vous êtes bien matinal. Cette œuvre nous tient particulièrement à cœur. Mon frère l'aurait adoré, votre travail remarquable, comme d'habitude. Merci, ma reine. Vous me faites trop honneur. Dame Amalia. J'aimerais solliciter votre bienveillance concernant... Laissez-moi le temps de m'installer, voulez-vous? Oui, bien sûr, veuillez m'excuser. Amalia... Amalia, c'est devenu quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les charismes, hein, c'est trop. Le roi n'est pas là. Aïe, aïe, aïe. You got le roi, hein.
C'est incroyable. Il ne se sent pas très bien, je vais commencer sans lui. Mais c'est incroyable. On sait il y a combien de temps qu'ils sont écoulés? Exactement? Je sais pas s'ils l'ont dit ça au début. 3 mois. Ah frère. Ils se sont détruits. Hein. Chers amis, la reine est prête à répondre à vos doléances. Aïe aïe aïe. Putain les gars, ça c'est du... En vrai, c'est un très bon chapitre 1. Franchement les gars, c'est un putain de chapitre 1. Aïe aïe aïe, Hugot qui est en dep. Hein. Il est en dépression les gars. Tu as vu où te conduiront tes choix et pourtant, tu as été égoïste. Aïe 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 aïe. Il est en train de se remettre en question. Mais c'est pas un fils de pute. C'est pas un fils de pute, wesh. Quelque chose te trouble, mon frère. Pourquoi le son est giga fort comme ça, même dans mes oreilles? Attendez. Quelque chose te trouble, mon frère? Aïe 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 aïe. Mais ouais, pourquoi c'est comme ça, frère? J'en peux plus. En fait, je peux pas descendre. Attends. Ok, j'avais juste besoin d'être un peu seul. Ouais, c'est page par page, ok. Mais en fait, c'est un peu bugué. Bon, c'est pas grave, les gars. On fait avec les moyens du bord, c'est déjà ça. Par contre, les gars... Adamaï, le flot de zinzin en manga, les gars. Tu sais très bien que depuis que tu portes cette pierre qui garde nos œufs, notre connexion est décuplée. Ah ouais? J'entends presque tes pensées. Et t'as entendu quoi d'autre? Bonjour l'intimité. Il a entendu quoi d'autre, frère? Comme tu dis, peut-être dois-je te rappeler que c'est toi qui nous inflige ça. Non, s'il te plaît, je me posais cette question comme ça, j'ai fait un cauchemar. Il a entendu Amaya gémir. Ah, nous aussi, hein. Il y a zéro intimité, mon gars. J'ai fait un cauchemar qui était trop intense pour... Je l'ai ressenti aussi et je suis d'accord avec toi, il y avait quelque chose, une ombre. Ouais, frère, en fait, il voit tout, vraiment, quoi. Que as-tu vu qui puisse te mettre dans un tel état? Amaya morte et le monde ravagé. Oh, les gars, il est à bout, hein. Oh, l'OST qui a pop au bon moment, frère. À cause de moi. Comment ça, à cause de toi? Non, je ne sais pas, Ad, mais c'était réel. C'est pas la première fois que je vois ces images. Cette vague qui recouvre tout. Au repos aussi a eu ses visions. Et il me les a transmises. Aïe, 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 aïe. Hugo, c'est le vrai antagoniste de cette œuvre. Qu'est-ce qui te fait souffler? Son caractère de... Adama, il a un caractère de merde, pour le coup. Si je t'ennuie avec mes histoires, rien ne te retient. On tourne en boucle, tu as fait des choix. Nous avons fait des choix, tu savais que tu hériterais d'un pouvoir sans limite. Tu as les puissances d'un dieu, Hugo! Et il y a forcément un prix à payer pour ça! La seule chose dont je suis sûr, c'est que tu ne maîtrises rien. Et que ta priorité est d'apprendre à contrôler tes émotions. Il faut que tu muscles ton esprit, Hugo. Tu ne peux plus te permettre d'être au même niveau que nous. Attends, il est en train de lui dire, t'es plus quelqu'un de normal, mec. T'es supérieur. Tu dois nous dépasser. C'est ce qui implique tes pouvoirs. Les gars, on va voir un Hugo, Dark Vador. Ça va être incroyable. Il lui a dit t'es un dieu bordel, mais qu'est-ce que tu traînes avec ces merdes? Ces humains? C'est mortel. Donc pour répondre à ta question, oui tu m'ennuies, ton comportement d'enfant m'ennuie. Quand tu seras prêt à te retrousser les manches, je serai là. Sacré Adama, et tu sais t'y prendre pour remonter le moral. Wesh, que passa? Il se fait attaquer, genre, par des randoms, comme ça. Oh! Oh! Elle s'était cassée, c'est vrai. Avoir offert des terres à ses encapuchés est un tel gâchis, ma reine. Ils n'ont aucun goût pour la culture.
et ne savent pas parler aux arbres. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, un mot arbre. Hein. À chaque fois, il faut se concentrer. Hein. Pour autant... La dyslexie, elle est trop présente. Pour autant, cela ne vous donne pas le droit d'empiéter sur les terres de votre voisin. Car c'est bien de cela que nous parlons. Cela n'a jamais été leur terre, ma reine. Votre père et votre frère n'auraient jamais accepté ça. Merci. On n'offre pas les terres comme ça. Il a raison, nous ne sommes plus chez nous. Oh shit! Putain, la pauvre, elle se fait toute petite. C'est une honte, ces héliotropes ne sont pas comme nous. Mais c'est une dinguerie de dire ça, frère. Mes armées font quoi de moi? En plus, c'est les héliotropes. C'est facile à vivre, un héliotrope, frère. Les armées font quoi de mal? Ouais, c'est vrai que leur roi, c'est Hugo. Ils ont aidé, non, frère. Ouais, là, c'est Dieu, c'est méchant. Ça, c'est gratuit. Hein. Votre père et votre frère n'auraient jamais partagé nos terres. Mais ils ne sont plus là. Et c'est moi qui règne ce royaume. Où étiez-vous lorsque les nécromontes ont tenté de nous envahir? Merci, Amalia. Merci. Merci, Amalia. Ouais, mais le peuple, là. C'est qui défendait les terres? Parce que... Pendant que ça mangeait des feuilles d'herbe, là, dans le coin, là. Ça se goinfrait de plantes, frère. Votre voisin était à mes côtés, risquant sa vie pour nous aider. Et vous vous offusquez parce que je leur ai offert un lopin de terre en récompense. Aïe, 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 aïe. Non, c'est trop grave. Honte à vous. Les gars, Amalia, c'est la goutte. C'est bon, c'est dit. Vous reculerez vos clôtures pour rendre son terrain à notre ami. Et pour votre insolence, vous paierez 1000 kamas d'amende au royaume. Ah frère, 1000 kamas c'est de la merde frère, non? Mais ouais, c'est honteux frère. Lui, c'est vraiment honteux. Il est en train de se lébran pendant que des gens se battaient pour son pays. On lui aurait, frère, donné un bout de terre, vite fait, c'est bon. Mais pour le coup, les gars, elle agit comme une reine, hein. Pour le coup, les gars, Amalia agit vraiment comme une reine. Ce qui est incroyable. Je me plierai à votre volonté, ma reine. J'aimerais tout de même rappeler à sa majesté que durant cette guerre, j'ai perdu mon plus jeune fils. Vos amis, il y a trop, n'ont pas le monopole du sacrifice. Ok. Mais respecte alors, tu comprends. Tu comprends qu'il y a eu des morts et tout. Respect, man. Voilà qui est parfait comme transition. Who the fuck is this guy? Mais c'est... Oi, oi, ah putain, dommage, je vois pas bien. Ah, dommage, l'image, elle est niquée un peu. Mais bon, on a capté, c'était qui? Désolé, je n'ai pas eu le temps de prévenir. Oh, mais les gars, ça va être la merde, là. Nous avons de la visite. Bonjour, Amalia. Mais pourquoi elle vient, elle? Elle s'était pas cassée? Elle n'avait pas fui? Je me rappelle, elle s'était transformée, elle est partie. Oh, je ne pensais pas te revoir un jour. Quel est l'objet de votre venue? Nous ne vous prendrons pas de temps, Amalia. En tant que légitime héritière du royaume Sadida, elle revient vers vous pour reprendre quoi? La gouvernance! Ça doit être ça, ouais. Ça doit être tellement ça, frère. Ça doit être tellement ça. Ils partent comme des fleurs. C'est la guerre. Moi, j'abandonne, je me casse. Et quand, alhamdoulilah, tout va bien. Oh, ouais, c'est nos terres. Mais j'ai jamais vu un peuple de fils de pute comme ça. Hein. C'est quoi leur race à eux? C'est quoi leur race à eux? Eux, on a le droit d'être racistes. Oh, ça m'audace de couille, là. Osamodas, les animaux, ouais, c'est des animaux, c'est des sauvageons, frère. Connard, trop grave. Maintenant, pour moi, Amalia, reine des Sadida, je leur dis qu'on leur apportez-moi leur tête, tout de suite. C'est une dinguerie, frère. Ma fille vient réclamer ce qui lui revient de droit.
En tant que légitime héritière du royaume Sadida, elle revient vers vous pour reprendre la gouvernance. Très brave peuple Sadida. Ça doit être ça, ouais. Comme tous ceux ici présents, Amalia, tu connais la réponse. Amalia, elle est choc-barre. Hein. Mais le peuple des Sadidas, c'est des racistes de fou, ils vont jamais accepter, frère. Aïe, 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 Hugo. Hugo qui regarde Amalia. Roi des eaux, Samodas. Votre fille a perdu la confiance des Sadidas en nous, abandonnant lâchement. Voilà, en nous abandonnant lâchement, merci bien, lorsque nous étions en guerre contre les Nécromes. Dis-lui les termes! Mais dis-lui les termes seulement! Regardez-moi cette reine! Oi, oi, oi! C'est des vraies paroles de reine, ça! Mon frère et nos amis sont sacrifiés pour résister à l'attaque de ces monstres. Oh. Non, mais frère, c'est vraiment le roi qui pensait être, hein, à ce moment-là. C'était vraiment le roi qui pensait être. Aïe, 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 aïe. Quelle planche! Et nous pouvons dire avec fierté que c'est grâce à la volonté des Sadidas et des Héliatropes. Aïe, 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 aïe. Que Tauros et son armée ont été vaincus. Aïe, 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 aïe. Non mais Armand, les gars. Armand, putain, combien de fois on a mal parlé de lui quand même, c'est une dinguerie. Hein. Mais toi, Aurora, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à part t'aller te branler, je sais pas où, frère. Tu t'es enfoui, pétasse. Mon frère avait à peine rendu son dernier souffle que tu étais déjà loin. Ça, c'est vrai que c'est une dinguerie. À peine il est mort, elle s'est cassée, frère. Eh, franchement, il n'y a aucune excuse pour ça. Je suis désolé. De quel droit revenez-vous ici après nous avoir si honteusement abandonné? Le royaume Osamoda, les nations de Bonta, Brakmar, Amakna, Astrub, nous vous avons demandé de nous venir en aide. Oh, regarde le daron comme il regarde mal. Franchement, il n'y a aucune excuse. Hein. Je suis désolé. Mais personne n'est venu. Aïe, aïe, aïe. Putain, ma Malia, les gars, c'est le meilleur glow-up de l'histoire. Je suis désolé. C'était pourtant l'avenir du monde qui était en jeu. Pas seulement celui du royaume Sadida. C'est vrai que c'était pas seulement le royaume Sadida, c'est le monde. Vous faites honneur à votre égocentrisme, Amalia. Mes soldats auraient repoussé ces créatures aussi bien que les vôtres. J'en ai vu des fils de pute, hein. Mais lui, c'est vraiment le roi des fils de pute. Zama, ouais, mais aussi j'aurais pu si j'étais là. Mais tout le monde, même moi. Moi, si j'étais là, j'aurais repoussé l'armée. Mieux qu'Armand, je serais même pas mort. Fils de pute, va. Ouais, Hugo, c'est la même réaction, il est fatigué. Hugo, il est fatigué de ses conneries. Là, les frères, lui, pense qu'au cul de Amalia. Le reste de l'univers, il en a plus rien à foutre. C'est des conneries, maintenant. Je ne crois pas, non. Merci. Merci, Hugo. Simple. Je ne crois pas, frère. Je crois pas. T'es qu'un mythomane. Vous n'avez absolument aucune idée de ce dont nous vous avons sauvé. Aïe, 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 le regard. Vous nous sauvez? Mais les gars, ils se rendent pas compte. Ils savaient pas c'était quoi affronter des zombies sous crack. Sous crack, frère. Et ça mangeait de la mana, de la vie, pour être plus fort. Si... D'un mal que vous avez apporté. Ah. Le roi Armand n'était pas dupe. Père, nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. J'ai vu de mes propres yeux la menace que représentaient ces nécromes. Vous avez ma reconnaissance et je suis fier de vous tous. Zama, merci. Merci. Mais laisse-moi la place maintenant. Au nom du bien commun, vous avez enduré bien des sacrifices. Vous avez perdu des proches et votre roi, mon brave époux.
Oh non, c'est des larmes de crocodile. Hein. Je pense qu'Amalia entendra raison lorsqu'elle apprendra pourquoi j'ai quitté le champ de bataille ce jour maudit. Les gars, je vous jure qu'il n'y a aucune réelle raison pour abandonner ton royaume, abandonner le monde. Ça m'étonnerait. Je suis parti car j'avais fait une promesse à mon cher Armand. Elle va mettre ça sur le dos d'Armand, je rêve. C'est la pire. Non, c'est la pire. Ouais, c'est tellement facile. Amalia, elle connaît mieux Armand qu'elle. Il m'avait fait promettre de ne pas risquer ma vie. Oh, ni celle de l'enfant. Je l'aurais baisé aussi si j'étais Armand. Mais frère, c'est casse les couilles, frère. Il n'y a qu'une seule moyen de voir si c'est son fils ou pas. Il doit puer de la bouche à la naissance, frère. Merde, frère. Non, je pense pas qu'elle ment. Les gars, pour le coup, si c'est un... C'est le roi légitime. Hein. C'est vrai que normalement, si c'est... En fait, pour moi, là, logiquement, ce qui devrait se passer... Amalia devrait être la reine régente jusque que l'enfant puisse... puisse gouverner le royaume. Si on suit, entre guillemets... pour moi, c'est... Ça devrait être ça. Pour moi, je suis d'accord que ça devrait être le gosse, le roi ou la reine. Mais Amalia devrait gouverner le pays tant que le gosse n'est pas apte. Aurora va t'occuper de ton fils en attendant. Ouais, voilà. Non, ça va, frère. On voit rien, les gars. Mais c'est possible, c'est possible. Elle est enceinte, là. Son fils, l'héritier du royaume Sadida. Son fils, Zama. En plus, c'est un mâle. Zamal est sûr. Aïe, le fils de pute. Si ça se trouve, c'est lui l'a enfanté, frère. Tout ça pour le business, c'est une dinguerie. Ah non, c'est trop grave. Belle, chère belle-sœur, même sans connaître la joie de porter un enfant, tu peux comprendre les priorités d'une mère. Mais va en sécurité, comme Armand il t'a dit de faire, frère. Non, c'est trop la merde, les gars. Non, elle ment pas, je suis persuadé qu'elle a vraiment un gosse. Durant ma grossesse, mon père m'aidera à diriger le royaume. Va falloir l'empoisonner, les gars, comme à l'ancienne. Hein. Va falloir partir en poison. Et je compte également sur lui pour fermer le futur héritier. Mais quel culot! Mais quel culot! C'est un coup d'état, t'as jamais vu ça de ta vie! Ils ont orchestré ça depuis! Je félicite, hein, parce que c'est vraiment un niveau incroyable. Genre, le coup d'état est incroyable. Hein. Ta présence ici n'est plus souhaitée, belle-sœur. Fais donc ce que tu as toujours fait. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Va parcourir le monde. Nous allons nous recueillir sur l'arbre tombe d'Armand le temps que tu prennes tes dispositions. Elle pleure! Oh, les larmes de crocodile. Ah, c'est fini. Oh putain, frère. Non, c'est trop grave.
Non, va y avoir une guerre. Mais non, mais les gars, non, c'est sûr, ça va jamais passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien. Ça va jamais arriver, le peuple va jamais l'accepter, les gars. Déjà, frère, avec le peuple de Hugo, ça en a marre. C'est des racistes, les gars. Mais ça veut dire, c'est des racistes de dingue. Donc déjà, frère, en plus, c'est se faire diriger par un autre peuple, frère. Oh, ça va jamais passer. Ça va jamais passer. Non, c'est trop grave. Après, faut voir ce que le peuple a comme lien. Enfin, est-ce qu'ils ont du respect? Ce domaine-là, de la royauté et tout, genre. Genre, est-ce qu'ils s'en battent les couilles si maintenant Maya, elle dit non, je m'en bats les couilles, je détrône, voilà, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Moi, je suis d'accord que ce soit l'héritier de Armand qui reprenne le trône, mais le truc que j'accepte pas, c'est que ce soit le daron, frère, qui dirige le royaume. C'est horrible, ça. Pour le coup, je pense que c'est un mensonge. L'histoire avec Armand qui lui dit « Enfuis-toi et garde l'enfant, surveille l'enfant ». Ça, pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de parler de ça. Mais il n'y a personne qui est pro Aurora, les gars. C'est personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait que Aurora prenne le... C'est pas possible. Du peu que je connais du domaine de la royauté, les héritiers, etc. Oui, logiquement, c'est le gosse du roi qui doit reprendre les rênes du royaume. Et en attendant, c'est la mère reine ou je sais pas quoi qui gère, ou le grand-père, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Moi, je vous dis, le seul moyen que tout se passe bien, c'est que Amalia reste la reine régente jusqu'à que le fils reprenne les rênes du royaume.